Bonjour tout le monde. Je pense que nous allons démarrer cette séance. Donc, on va faire le partage de l'écran. Alors maintenant, nous allons, comme je l'ai indiqué dans l'envoi du message, donc nous allons voir le chapitre 5, qui est le dernier chapitre dans le programme du cours mécanique des sols 1. Alors ce chapitre s'intitule « Consolidation des sols fins et calcul de tassement ». Bon, pour la séance d'aujourd'hui, nous allons voir l'essentiel du cours. Et je prévois donc de faire les travaux dirigés la prochaine séance, Charles. Alors, je vais vous expliquer à la fin comment on s'organise pour les TD. Donc, ce chapitre 5, il va nous permettre d'introduire donc une nouvelle notion qui s'appelle la consolidation des sols fins. Et en même temps, on va voir comment on peut calculer le tassement d'un sol. Juste me confirmer que vous voyez bien sûr l'écran comme il faut maintenant, hein. C'est OK pour vous? Je vous Très bien, merci. OK, donc, alors, le sommaire du chapitre, introduction, par la suite. Qu'est-ce que ça veut dire le tassement d'un sol, c'est-à-dire l'origine, on va dire les conséquences, causes et effets. Nous allons bien parler de la consolidation des sols fins saturés. Par la suite, on va aborder les calculs de tassement et on finira par une conclusion. Donc, en guise d'introduction, d'après le chapitre MMC appliqué au sol, juste cette première ligne que vous voyez. Donc, si nous portant un chargement, on peut dire, appliquer un chargement sur le sol. Nous avons vu à travers des exemples que si j'écris les équations d'équilibre et certaines conditions du comportement, je peux calculer les contraintes. Par la suite, via la loi de comportement, je calcule les déformations et par suite les déplacements. Donc, le problème posé, on peut dire, dans ce chapitre, c'est le calcul des déplacements dus à un chargement, bien sûr. C'est un ouvrage de génie civil. Le point focal, ce ne sont pas toutes les composantes du déplacement qui nous intéressent, c'est ce qu'on appelle le tassement. C'est le déplacement vertical. Pourquoi? Parce que pour la majorité des ouvrages construits sur le sol, la majorité des ouvrages ont déjà une composante verticale, celle du poids. Bien sûr, il y a autre chose. Donc c'est pour cela que l'on focalise sur le tassement. Donc, le tassement, la définition simple, c'est le déplacement vertical du sol dû à un ouvrage y construit. Alors, le tassement est noté S. S, c'est la lettre en anglais, ça veut dire settlement. Le tassement, à partir de cette équation à laquelle on va expliquer, c'est-à-dire comment on la trouve. Donc, puisque j'ai la déformation verticale, epsilon z, lorsque je vais intégrer la déformation verticale de 0 à h, nous avons dit dans le chapitre MMC appliqué au sol que ce H-là, ce n'est pas l'épaisseur d'une couche, mais c'est plutôt la profondeur jusqu'à laquelle les déformations ne sont pas négligeables. On peut dire H, d'une manière générale, c'est la profondeur où se produit le tassement. Donc, lorsque vous intégrez epsilon z sur toute cette hauteur, vous allez calculer le tassement. Donc, ça veut dire que
d'une manière simple, voilà comment je peux calculer le tassement de l'ouvrage. Cependant, dans la pratique, bien sûr, pour les projets, le calcul du tassement nécessite une vérification que vous allez comprendre un peu plus tard, qui veut dire que le tassement doit être admissible, c'est-à-dire je ne peux pas admettre qu'un bâtiment de R plus 6 tasse beaucoup plus de 20 cm, c'est inadmissible. Donc le tassement peut-être serait dans l'ordre de inférieur ou égal à 5. C'est ce que cela veut dire, le tassement, il doit être admissible. Alors, lorsqu'on veut résoudre ce problème, on peut bien sûr dire que le sol est élastique linéaire. Mais il s'agit d'une approche simple, parce que le sol, en réalité, il y a même certains géotechniciens qui n'admettent pas que le sol soit élastique linéaire. Ce n'est pas une approche réaliste, mais on peut faire des calculs en se basant sur l'élasticité. Pourquoi ? Parce que le comportement réel des sols, il est un peu plus compliqué, il n'est pas élastique linéaire. Il nécessite également des paramètres à introduire, et donc on va faire un calcul plus élaboré, on va dire plus réaliste, pour calculer le tassement. Donc, ça veut dire que si on ne va pas utiliser cette voie-là, qu'est-ce qu'on va faire ? Ben, comme je vous l'ai dit à maintes reprises, la mécanique des sols, elle part de la réalité, elle part de l'observation, c'est-à-dire c'est une approche expérimentale. Alors, bon, je ne peux pas faire un schéma comme sur le tableau, mais j'espère que vous allez comprendre. Supposons que, je ne sais pas, moi, on va prendre le bâtiment F1 ou F2, où vous avez des cours. Ce bâtiment, vous voyez qu'il y a des poteaux, on va dire, métalliques en béton, et sous ces poteaux-là, il y a des semelles. Les semelles, ce sont les éléments de fondation de cet ouvrage. Alors, si on aurait imaginé qu'est-ce qu'il fallait faire avant de le construire, juste à l'emplacement de ces poteaux et semelles, nous allons faire des forages, nous allons recueillir ou extraire des échantillons de sol. C'est-à-dire, on va aller directement dans construire l'ouvrage et on prend des échantillons de sol. Et on va faire quoi avec ? Ben, on va y appliquer sur ces échantillons en laboratoire les étapes contraintes qui seraient transmises par l'ouvrage. Donc, ça veut dire, on observe le tassement d'un échantillon de sol, qui est quelque chose de petit, on va dire tassement élémentaire, et par la suite, il va falloir faire, bien sûr, un passage pour calculer le tassement réel de l'ouvrage. Donc, vous voyez que l'approche, elle est expérimentale, et on dit que c'est la méthode du chemin de contrainte. Alors qu'on peut, soi-disant, essayer une autre méthode qu'on adapte l'élasticité. Bon, on va déterminer, par exemple, un module de déformation, à partir d'un essai en laboratoire ou en place, on peut imaginer l'essai de compression simple. Vous faites un essai de compression simple sur un échantillon de sol, vous déterminez le module et par la suite, vous allez faire des calculs. Ou bien, vous pouvez même faire un essai in situ, c'est-à-dire l'essai, ce n'est pas uniquement en laboratoire, vous pouvez faire un essai in situ et il y a, enfin, à la fin du chapitre, une application de ce genre. C'est-à-dire qu'on se base sur la détermination d'un module du sol d'une manière générale. Et par la suite, on va utiliser la théorie de l'élasticité linéaire en tenant compte de la sollicitation appliquée pour calculer le tassement. Donc, le tassement du sol, on va dire les causes et les effets, c'est-à-dire au fait, le tassement est dû à quoi ? Nous savons très bien que le sol est compressible, c'est-à-dire il est sujet à des variations de volume. Cette variation de volume, elle ne peut être due que si vous comprimez les grains, c'est-à-dire vous déformez les grains en quelque sorte, ou vous allez comprimer l'eau et l'air, c'est-à-dire tout ce qui est vide, ou bien il va y avoir une évacuation d'eau. Ce sont les trois possibilités avec lesquelles on peut subir ou faire subir une variation de volume. Alors, puisque l'eau est incompressible, s'agissant d'un fluide parfait, donc la compressibilité, finalement, ne serait pas due à la cause numéro 2, c'est-à-dire on va parler plutôt de 1 ou de 3. Alors, 1, c'est ce qu'on appelle le fluage. Nous allons en parler dans ce chapitre. Mais c'est une composante du tassement qui, dans la pratique, n'est pas considérée. Donc, finalement, il nous reste l'hypothèse 3, c'est-à-dire le tassement se produit, dans le cas particulier d'un sol fin saturé, par évacuation de l'eau. Et c'est ça ce qu'on appelle le phénomène de consolidation primaire. Donc, c'est une réduction des vides du sol, mais accompagnée par un drainage ou une évacuation graduelle de l'eau, parce que les sols fins, nous avons dit que la perméabilité est très faible. Bien sûr, ceci est dû à un chargement qui est maintenu constant. Bien sûr, l'évacuation de l'eau peut se produire dans les sols grenus, les sables, mais ils ont une forte perméabilité. C'est-à-dire, puisque la perméabilité est très faible, l'eau va sortir très rapidement. De toutes les manières, qu'il soit sec ou saturé ou humide, le tassement du sable, il est très, très rapide, instantané,
il va tout simplement s'accompagner par un réenchevêtrement des grains, c'est-à-dire la diminution des vides. Donc, vous voyez que le problème le plus intéressant, c'est le cas numéro 3 dans le cas d'un sol fin saturé, c'est-à-dire le tassement le plus important à comprendre, c'est celui d'un sol fin saturé et via lequel nous allons introduire la consolidation primaire. Alors, cette consolidation primaire, il faut voir ce schéma-là qui est très simple. Vous voyez avant tout le mot sol fin, c'est-à-dire ce n'est pas un sable, ce n'est pas un gravier, c'est plutôt une argile limoneuse ou une argile ou quelque chose comme ça. Et puis, vous allez maintenir une répartition de charge D, c'est-à-dire elle peut être quelconque, et vous allez la maintenir constante, c'est-à-dire cette charge, vous allez la poser une fois pour toutes, elle ne va plus varier. Donc, ce qui se passe dès l'application de la charge, T égale 0, c'est-à-dire c'est juste après l'application de la charge, donc qu'est-ce qui va avoir lieu en un point M ici? En un point M, nous savons très bien que la perméabilité du sol fin est très, très faible, c'est-à-dire l'eau ne peut pas sortir. Mais en même temps, les grains ne sont pas compressibles et l'eau n'est pas compressible. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va dire rien ne se passe. C'est-à-dire qu'il va y avoir une variation de volume nulle dans cette phase. Et on va dire que la contrainte apportée par la charge, où est-ce qu'elle va aller? Nous allons expliquer qu'elle va aller vers l'eau. C'est-à-dire, l'eau va subir l'action de la charge D par un incrément qui s'appelle la surpression interstitielle. Vous avez appris la pression interstitielle, c'est-à-dire gamma W, ZW. Non, c'est une composante en plus, c'est-à-dire delta U, qui est bien sûr engendrée par le chargement. Alors, si on parle d'excès de pression interstitielle, bien sûr, il va y avoir un excès de la contrainte totale et un excès de la contrainte effective, dû au postulat de Terzaghi. Donc, ce qui nous amène à expliquer, on va dire, comment se produit la consolidation. C'est-à-dire maintenant, comme le montre ce schéma, voilà la charge qui est appliquée, elle est constante. Et d'après le chapitre 3, nous avons bien parlé du fait qu'une charge appliquée à la surface du sol va engendrer des contraintes verticales. Si cette charge, par exemple, est Q, sur cette courbe-là, la charge, ou l'excès de contrainte, c'est 0,9 fois Q. Un peu plus bas, c'est 0,8. Un peu plus bas, 0,7, etc. Jusqu'à arriver à une courbe extrême où pratiquement vous allez avoir 5%. Donc, vous comprenez très bien qu'il va y avoir une profondeur où va se produire, c'est-à-dire l'excès de la contrainte. Alors, donc, nous revenons bien sûr à la chose suivante. Nous avons dit que l'excès de contrainte à T égale 0 se transmet totalement vers la surpression. C'est-à-dire que la pression interstitielle à l'instant T égale 0, ou à l'instant quelconque, elle va être U0, la pression interstitielle initiale, c'est-à-dire gamma WZW, plus l'excès de pression, la surpression interstitielle. Donc, delta UM, la surpression interstitielle, à partir de l'excès de contrainte, nous allons montrer qu'il va y avoir un écoulement. Alors, ceci est très simple. Si je trace une horizontale, cette ligne rouge, elle peut passer par deux points M2 et M1. Vous voyez que M2 est plutôt où la charge induit 0,8 fois Q, alors que M1 induit juste, par exemple, 10%. Donc, ça veut dire qu'en ces deux points, si j'écris la valeur de la charge hydraulique, pour simplifier, je mets Z égale 0. Donc, on va avoir H de M2, c'est U en M2 sur gamma W. Et de la même manière pour MA, mais U, il est égal à U0 plus delta U. Sachant que les deux points sont sur le même niveau, le U0, il est le même. Mais on voit très bien que si j'écris à l'instant T égale 0, delta sigma égale delta U, ça veut dire qu'au point M2, l'excès de contrainte à l'instant T égale 0, il est plus grand que celui en M1. Donc, ceci veut dire qu'à l'instant T égale 0, l'excès de contrainte en M2, il est supérieur et la suppression en M2, elle est supérieure à M1. Ben, la suppression, ça veut dire la charge hydraulique. Ben, ça veut dire que H en M2 est supérieur. Pardon, ici, il fallait corriger un peu. H en M2 est supérieur. Donc, je vais corriger cela. Supérieur à M1. Donc, il va y avoir un écoulement et un drainage de M1 vers M2. Donc, ici, je dois corriger. Hein. Donc, finalement, ça veut dire par cette illustration très simple qui se base sur des notions que vous connaissez, vous comprenez que juste en acceptant que tout l'excès de contrainte se transmet vers la suppression, il va y avoir un écoulement d'eau du point le plus chargé vers le point le moins chargé. Donc, puisque sigma
quand n est constante, on peut écrire toujours que d sigma prime sur dt égale moins du sur dt, parce que la somme est égale à sigma. Mais la variation de sigma par rapport au temps égale 0. Donc, on voit que plus l'excès, on va dire plus la surpression, donc parce que U en général, c'est U0 plus delta U. Donc, d'ici, lorsque vous voyez le U pour nous, c'est le delta U. C'est la surpression, pour simplifier les calculs. Donc, ça veut dire, on comprend que lorsque la surpression se dissipe, elle diminue, elle va être reportée vers la contrainte effective. Donc, ceci veut dire que toute diminution de la surpression, au fait, correspond à une augmentation pour la contrainte effective. Alors, le phénomène, il va continuer jusqu'à ce que la surpression s'annule partout. C'est-à-dire, il n'y a plus d'écoulement. Lorsque delta U va être la même en U2 et U1, ça veut dire que la charge est égale. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'écoulement. Et le plus important, il ne faut pas comprendre, puisque l'eau va partir, c'est qu'elle va partir en entier. Non, les vides sont là, sont annulés, et l'eau restante, elle va être le siège de la pression interstitielle que vous connaissez. Alors, ce phénomène-là de T égale 0 jusqu'à T égale TF, où en premier lieu, l'excès de contrainte se transmet en entier vers l'eau, et par la suite, il se trouve directement vers les 1, ça s'appelle la consolidation primaire. C'est ça le phénomène de consolidation. Donc, ce phénomène peut être illustré par ce modèle très simple. Si vous imaginez que le sol soit saturé, soit composé d'un ressort, vous voyez un peu ces lignes brisées, c'est le ressort. Le ressort, en fait, c'est le squelette, c'est-à-dire les grains. Et avec le ressort, il y a de l'eau. L'eau, c'est l'eau qui est entre les grains. Et vous mettez ce système dans un cylindre fermé par un piston rigide. Alors, imaginez que le piston soit en entier, il ferme toute la section. Ben, lorsque vous comprimez ce système-là, pratiquement, vous n'avez rien à produire. Pourquoi ? Parce que l'eau, elle est incompressible, elle ne peut pas sortir. Et vous voyez que le ressort, il est lié au piston en un point. Ça veut dire que pratiquement tout le contact entre le piston et l'eau, c'est l'eau. Donc, tout va être détruit par l'eau. Mais imaginez qu'on va mettre un orifice de drainage ici, c'est-à-dire on va pouvoir laisser l'eau s'écouler, ben l'eau, elle va, on va dire, un peu jaillir, c'est-à-dire cette eau, elle va être éjaculée, c'est-à-dire de sorte qu'elle va sortir d'une manière brusque, ça veut dire qu'il y a une surpression. Donc, lorsque l'eau va sortir, le volume de liquide va diminuer. Il va diminuer, ça veut dire que le système piston-ressort va s'abaisser, le ressort se comprime, et ceci montre qu'il va y avoir le tassement. Cette différence, c'est le tassement. Et bien sûr, la charge P ou la contrainte correspondante, elle va être entre l'eau et le ressort jusqu'au moment final où pratiquement il n'y a plus d'écoulement par l'orifice de drainage. Ça veut dire que toute la charge est prise par le ressort. Donc, bien sûr, via ces équations-là, je peux dire que si à un instant T, AT, c'est la fraction de la charge transmise vers l'eau. 1 moins AT, c'est celle supportée par le ressort. Donc, le total va être égal à P. Vous voyez qu'à tout temps, on va dire que la charge totale est P parce qu'elle est maintenue constante. Donc, bien sûr, partir de la réalité, c'est un peu ce que je vous ai dit au départ. Imaginons que nous allons avoir une surcharge sur cette couche de sol composée, par exemple, d'aliments raides, une argile compressible et un sable, nous allons prendre un échantillon ici, dans l'axe de la charge, et on va le mettre dans le laboratoire, dans l'appareil qui s'appelle l'odomètre. L'odomètre, normalement, c'est un TP que vous allez faire, plutôt l'année prochaine, si tout va bien. Donc, cet appareil-là, c'est l'appareil qui a été conçu par Terzaghi pour étudier la consolidation. Donc, dans cet odomètre, nous allons produire le phénomène que nous avons décrit. On va mettre le sol ici, l'échantillon, il est là. Bien sûr, l'échantillon, il est maintenu latéralement par un anneau rigide qui ne se déforme pas. Par la suite, en bas et en haut, on va avoir des pierres poreuses, c'est-à-dire c'est comme une couche de sable. Et par la suite, vous allez appliquer un chargement. Pour s'assurer qu'à tout temps, ce système est saturé, il faut que tout ce système-là baigne dans l'eau, c'est-à-dire le sol est saturé à 100%. Mais bien sûr, lorsqu'on va charger, l'eau va pouvoir sortir des pierres poreuses, parce qu'ici, l'anneau rigide, il est imperméable. Donc, on peut dire que cet essai-là, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut apporter comme information? Avant tout, nous allons appliquer des paliers de chargement croissant, c'est-à-dire si je pense que je peux partir d'une charge relativement faible, 10 kPa,
j'observe le tassement pendant une certaine durée. Par la suite, lorsque le tassement se stabilise, je vais doubler la charge, et ainsi de suite. Donc, au fait, l'essai œdométrique, c'est un essai où on impose plusieurs paliers de chargement à l'échantillon de sol, et sous chaque chargement, on va atteindre, on va attendre plutôt le temps pour que le tassement se stabilise. Donc, ici, une idée sur le diamètre, l'épaisseur de l'échantillon, donc les pierres poreuses pour assurer le drainage. Notez bien que le drainage ne peut avoir lieu que vers le bas ou vers le haut. C'est-à-dire, finalement, l'écoulement de l'eau ne peut être que vertical. Donc, c'est pour cela qu'on dit que c'est la consolidation unidimensionnelle. Mais ici, il y a un comparateur. Qu'est-ce qu'il fait, ce comparateur? Bien sûr, il mesure le tassement d'une manière précise, si on peut dire. Et au fait, le bâti de chargement, c'est un système de bras de levée. C'est-à-dire, vous avez, en quelque sorte, quelque chose comme ça. Comme si vous avez un bras de levier, vous appliquez la charge P, par exemple, ici, et P fois le bras de levier va vous donner une charge plus importante. Mais vous trouvez ces détails-là dans le, on va dire, dans le TP. L'essai œdométrique de point de vue contrainte, d'une manière très simple, puisque la charge Q est constante, si on la divise par S, la section transversale, vous allez avoir une contrainte sigma. C'est la contrainte appliquée par le piston sur le sol. Le sol ne se déforme pas horizontalement, latéralement, dans toutes les directions, epsilon R égale 0. Et la déformation axiale, c'est le tassement que vous mesurez delta H divisé par l'épaisseur de l'échantillon. Donc, comme je l'ai dit, lorsque j'applique un palier de chargement, par exemple sigma 1, qui reste constant, en pratique, c'est 24 heures. L'essai sous un palier de charge, c'est 24 heures. Nous allons voir tout simplement qu'au départ, pratiquement, il n'y a pas grand-chose du point de vue tassement. Il va prendre un petit temps. Par la suite, le tassement, petit à petit, on va l'observer. Alors, il faut comprendre, d'après ce qu'on a expliqué, lorsque le tassement se stabilise, c'est-à-dire sa variation, on va dire à la fin des 24 heures, si vous mettez ce chargement au-delà de 24 heures, il peut encore tasser. On va dire, c'est quoi ça? L'essentiel pour nous, lorsqu'il n'y a plus de drainage, lorsque le drainage de l'eau s'arrête, ça veut dire que la surpression qui était différente de 0 entre 0, t égale 0 et t égale tf, la fin de la consolidation, ça veut dire que vous avez atteint le tassement final de la consolidation. Comme on l'a dit tout à l'heure au départ, on peut continuer à observer le tassement, et à ce moment-là, il n'y a plus de suppression. Donc, c'est la compression secondaire ou la compression du squelette solide ou le fluage. Donc, tout ceci pour dire que lorsque j'applique un chargement constant sur l'échantillon, vous allez avoir l'évolution du tassement au cours du temps, et par la suite, vous allez bien sûr déterminer le tassement de consolidation. Alors, à la fin de ce palier de chargement, il faut comprendre que la charge appliquée, sigma i, puisque delta u égale 0, elle est entièrement reprise par les grains. C'est-à-dire, à la fin de chaque palier de chargement, la contrainte appliquée devient une contrainte effective. C'est ça qu'il faut comprendre. Comme je l'ai mis ici, sigma i égale à sigma prime i. C'est-à-dire, cette contrainte est appliquée et transmise vers les grains. Donc, ici, je montre des exemples de courbes de consolidation, la courbe dont je viens de parler, c'est-à-dire le temps. Vous voyez ici des représentations un peu particulières. Ici, racine de t en minutes. Ici, c'est dh ou le tassement ou la déformation, comme vous voulez. Et vous avez une courbe qui a à peu près cette allure-là. Vous voyez très bien que cette courbe, elle montre qu'à un certain temps, elle se stabilise, le tassement devient constant. Et vous avez une autre représentation, c'est-à-dire le tassement en fonction plutôt du log de t. Ça, c'est une échelle logarithmique, hein? 0, 1, 1, c'est la même distance qu'entre 1 et 10, même entre 10 et 100, etc. Donc, vous avez une courbe qui est plutôt comme ça. Et vous voyez qu'à un temps un peu relativement grand, le tassement se stabilise. Donc, voilà le premier résultat. On va revenir à ces courbes-là. Quel est leur intérêt? Alors, maintenant, n'oubliez pas que nous avons dit qu'on va faire des paliers de chargement successifs. On va représenter dans un diagramme un peu particulier l'indice des vides en fonction du logarithme de la contrainte effective. Essayez de me suivre en vous concentrant comme il faut. Ça, c'est le premier palier de chargement. Je peux dire, on a appliqué juste 2 kPa, valeur très petite. Et on a atteint à la fin de 2 kPa cet indice des vides de 0, on va dire 49, 9, quelque chose qui est proche de 0,5. Alors,
les 24 heures après, on va augmenter la charge plutôt à, on va dire, 8 ou 7 kPa. On va tendre ce qu'il faut. Vous voyez que l'indice des vides diminue. D'un palier de chargement à un autre, c'est l'indice des vides qui diminue. Et ainsi de suite. Ça veut dire que cette courbe-là, qui s'appelle la courbe dométrique, elle représente la contrainte appliquée qui devient une contrainte effective à la fin du palier de chargement. Et bien sûr, à la fin du palier de chargement, l'indice des vides va diminuer. Notez bien l'allure qui est plutôt comme ça. Ça, c'est un sol, on va dire, relativement naturel. Ça, c'est un exemple, enfin, un sol pour un projet dans une côtière asphalte. Et vous voyez les valeurs ici. Ça, ce sont les valeurs des paramètres qu'on détermine de la courbe. E0, ce qu'on appelle l'indice des vides initiales. CC, c'est l'indice de compression. On va en parler, c'est la pente de cette courbe. Et la contrainte de prix consolidation, on va en parler. Là, c'est un autre échantillon un peu spécial. Ce n'est pas un sol naturel. Ça, c'est une base de Tunis qu'on a reconstituée au laboratoire. C'est-à-dire, on peut avoir ce qu'on appelle un sol vierge, un sol dont l'histoire n'a pas encore commencé. C'est vous qui commencez l'histoire de chargement. Et vous voyez un peu que ce sol-là, les tassements, enfin, la courbe dométrique a été tracée après avoir fait une consolidation initiale où on forme le sol. Vous voyez très bien que la contrainte, elle est très faible. C'est-à-dire, le sol, il tasse d'une manière très, très faible. Hein, d'accord ? Et si on peut faire ce qu'on appelle un déchargement. Je charge jusqu'ici, je décharge et je recharge. Et par la suite, je fais un déchargement entier. Donc, nous avons deux types de courbes, les courbes de consolidation et la courbe dométrique qu'on peut déterminer. Maintenant, pour la courbe dométrique, on va introduire les paramètres d'une manière précise. Donc, on peut dire que la courbe dométrique pour un sol naturel, elle est composée de deux tronçons linéaires, AB et BC. Mais dont les pentes sont nettement différentes. Au fait, si on essaie de comprendre AB, puisque l'échantillon a été déchargé, il faut lui apporter un certain niveau de contrainte pour qu'il soit à peu près à la contrainte à laquelle il a été soumis durant son histoire. Okay? Donc ça, c'est un peu, on peut dire, c'est l'élasticité du sol, en quelque sorte. Mais là, il commence, le sol, à subir la consolidation primaire. Donc CC, c'est la pente de la portion de BC qui s'appelle l'indice de compression. Alors que lorsque vous déchargez, que ce soit ici ou là, vous pouvez vérifier sur le transparent passé que ces pentes sont pratiquement les mêmes. C'est ce qu'on appelle l'indice de gonflement. L'indice de gonflement, c'est-à-dire lorsque vous déchargez, l'eau a plutôt tendance à revenir dans l'échantillon et il gonfle un tout petit peu. Alors que maintenant, si je reviens au cas du sol vierge, pour expliquer la notion de contrainte de préconsolidation, si votre sol est vierge, c'est-à-dire vous le chargez, mais lorsque vous le chargez, la première partie, vous ne la trouvez pas, parce qu'il n'a pas été soumis à aucune charge. Donc, il va toujours tasser en continu. Si, bien sûr, vous déchargez, vous allez observer un peu le gonflement. Donc, je donne ici juste l'idée, mais pour faire, pour obtenir un sol vierge, il faut mélanger, par exemple, une argile avec une grande quantité d'eau, telle que la teneur d'eau soit proche de la limite de liquidité. Par la suite, vous allez mettre ça dans un cylindre. Par la suite, vous allez charger pour observer ce que je viens de dire. Donc, la contrainte de préconsolidation sigma prime C, je reviens au transparent précédent, c'est-à-dire, c'est pratiquement cette valeur. Donc, où elle se trouve, cette valeur? D'une manière schématique, c'est l'intersection de deux portions linéaires, A, B et BC. Mais on va essayer de dire qu'est-ce qu'elle représente, cette contrainte. Cette contrainte, elle exprime, d'une certaine manière, la plus grande contrainte effective que le sol a subie durant son histoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, imaginons que nous avons construit depuis un siècle un bâtiment quelque part, et après 100 ans, c'est-à-dire au temps où nous sommes, nous devons comprendre que la contrainte transmise par le bâtiment durant ces 100 ans est totalement prise par les grains du sol à un certain niveau. Alors, c'est l'essai œdométrique qui va vous permettre de retrouver cette valeur. C'est-à-dire, lorsque vous allez charger le sol, comme je l'ai dit, il faut atteindre ce niveau de contrainte pour espérer obtenir la consolidation qu'on a introduite. C'est-à-dire, sigma prime C, c'est une valeur qu'on détermine à partir de la courbe œdométrique que je vous ai montrée. Et au fait, c'est une valeur qui va être dans trois cas différents. Bien sûr, puisqu'on connaît la profondeur où on a pris l'échantillon, si mon échantillon est pris à 10 mètres de profondeur, avec un poids volumique total 20, c'est-à-dire gamma prime égale à 10, donc 10 fois 10, ça fait 100 kPa.
Si par hasard, vous mesurez sigma prime C égale par exemple 130, ben vous voyez que sigma prime C est supérieur à sigma prime 0. Sigma prime 0. Ça veut dire que le sol a été surconsolidé. C'est-à-dire, un temps bien avant que vous faites ce prélèvement, durant son histoire, le sol a été chargé. Et la contrainte transmise, elle est devenue supérieure au poids du sol. Alors que dans un cas qui est tout à fait naturel, vous pouvez vérifier que cette contrainte est très proche de la contrainte effective. C'est-à-dire que ce sol, durant son histoire, outre son poids, n'a pas connu de chargement quelconque. Mais il y a un cas particulier, peut-être relativement, je ne vais pas dire difficile, mais relativement pas évident. On va dire que si je prends, par exemple, un échantillon de la vase de Tunis à 5 mètres de profondeur près du lac de Tunis, beaucoup d'essais montrent que la contrainte de préconsolidation est inférieure. On va dire comment ceci se produit. Parce que tout simplement, au fait, cette vase, elle est encore en cours de consolidation sous l'action de son poids. C'est-à-dire la consolidation sous l'action de son poids n'est pas terminée. Bien que pour certains auteurs, cette éventualité n'est pas évidente. Si on va bien sûr se baser sur des considérations théoriques, mais ce n'est pas le cas. Le problème, c'est que vous faites un essai et vous trouvez ça. Ça veut dire que vous devez l'accepter, vous devez donner une explication. Alors maintenant, on passe à ce qu'on appelle la notion du degré de consolidation, U. Donc, on peut dire qu'au cours de la consolidation, le sol, à l'instant t égale 0, il n'a subi aucune consolidation, alors qu'à la fin, il est entièrement consolidé. Alors, grâce à la surpression interstitielle qu'on a introduite, ce degré U, de consolidation exprimée en pourcent, au fait, on peut décrire 1 moins la surpression à l'instant t sur la surpression à l'instant t égale 0. I, ça veut dire initial. Donc, à t égale 0, delta U égale delta UI, ça veut dire U égale 0, c'est facile, 1 moins 1. À l'instant t égale tf, delta U va être égal à 0. Donc, U est égal à 1, c'est-à-dire 100%. Donc, on comprend ici que via la surpression interstitielle, on peut introduire le degré de consolidation. Mais on peut l'introduire d'une manière un peu plus, peut-être simple. On va se baser sur le passement. Nous savons très bien que si je pose U égale ST sur SF, ST c'est le passement à l'instant T, sur, compris entre 0 et TF, à l'instant T égale 0, S égale à 0, donc U égale 0. Mais à l'instant T égale TF, S égale STF, donc U égale 1, 100%. Ça veut dire que nous avons un paramètre qui va nous expliquer au fait que le tassement évolue dans le temps. Et c'est pour cela qu'on introduit cette notion de degré de consolidation. C'est-à-dire, c'est un paramètre qui va nous aider plutôt à comprendre la consolidation et à trouver cette évolution. Donc, le problème n'est pas uniquement un problème de calcul de tassement. Mais avant tout, il faut comprendre que la consolidation nécessite de saisir que le tassement évolue au cours du temps, comme on a vu ça sur le essai de Dimitri. Bien sûr, Terzaghi a introduit sa théorie de consolidation unidimensionnelle à partir des propriétés de l'hydrolyse des sols que vous connaissez, sol homogène et saturé, eau et grains solides incompressibles, la loi de Darcy est valide, et bien sûr, on se met dans les conditions de l'essai eudométrique. Comme on l'a dit, il s'agit d'un essai de compression, mais sans déformation latérale. L'écoulement, il est vertical, l'échantillon, il est très petit, 22 cm. Donc l'eau va partir, disons, sur une épaisseur de 1 à 2 cm au maximum, mais le diamètre, il est beaucoup plus grand. Mais il y a une hypothèse un peu spéciale que Terzaghi a introduite, c'est plutôt une linéarité entre la contrainte effective et l'indice des vides. Et on vient de dire, quelques transparents en arrière, que CC, c'est la pente dans le diagramme, indice des vides log de sigma prime. Mais là, c'est une hypothèse qui est bien écrite ici. Il introduit coefficient de compressibilité avec qui est au fait moins DE sur V sigma prime. Bien sûr, DE est négatif, c'est là qu'on est à moins, et sigma prime positif, AB, c'est une constante. Bon, avec cette hypothèse un peu spéciale, pour faciliter les calculs, on va voir, bien sûr, on continue à supposer que les paramètres du sol sont constants durant la consolidation primaire. Donc, la théorie de consolidation, elle part de quelque chose que nous avons bien introduit en hydraulique des sols, c'est-à-dire, puisque là, l'écoulement est vertical, voilà notre échantillon, on va dire, d'épaisseur des Z, et sa section, supposons qu'elle soit égale à S fois 1, c'est-à-dire section unitaire. Donc, on va tout simplement dire qu'il va y avoir un volume d'eau qui entre d'un côté, qui sort de l'autre.
nous avons vu que la vitesse s'écrit avec, si vous voulez, sous cette forme-là, elle varie au premier ordre près, si le nombre des z, des vz, des z, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui se passe au fait? L'eau, elle va quitter l'échantillon, mais le sol va être toujours saturé. On va écrire que la différence entre le volume d'eau qui sort, par cette composante qui est là, vous voyez très bien, donc c'est la vitesse fois la section fois dt, c'est bien un volume. La vitesse, le volume d'eau d'entrée, il est là. Vous allez écrire que la différence va donner la variation du volume de l'échantillon. C'est-à-dire la variation du volume de l'échantillon, elle est faite à partir de la différence des volumes d'eau qui sort de celle qui entre. Alors, on continue un peu. Il y a beaucoup d'équations ici. On va essayer de comprendre petit à petit. Donc, on peut écrire à partir de l'essai pneumatique que delta V sur V égale delta H sur H. Vous avez vu ça. C'est-à-dire que la section est constante. Donc, ceci va donner la variation de la porosité. Donc, on introduit ce module pneumatique. C'est quoi le module pneumatique? Rappelez-vous bien, au départ, j'ai dit qu'on peut définir un module à partir d'un essai au labo. Ben, c'est ce que nous sommes en train de faire. Si vous avez une variation de la contrainte effective entre deux paliers de chargement et si vous avez un delta H entre les deux, vous allez faire le rapport et vous allez avoir E pneumatrique. Signez moins parce que delta H est négatif. Alors maintenant, puisqu'on va parler de variation au cours du temps, nous allons toujours, pour n'importe quelle grandeur, par exemple ici sigma prime et U, la dérivée totale de sigma prime sur dt, c'est bien la dérivée partielle fois dt. Et ainsi de suite. Donc, à partir de cette notion-là, on peut écrire delta sigma prime moins dn E0. Le dn, il va être écrit, bien sûr, comme on vient d'écrire pour du sur dt, c'est-à-dire dn sur dt fois dt. Alors, on vérifie que ceci nous permet d'écrire dn sur dt égale 1 sur E0 du sur dt. Ok. Je vous laisse vérifier, c'est pas difficile. Le volume d'eau évacué, c'est moins dn dz. C'est bien dz fois la variation de la porosité. La variation de volume au cours du temps, c'est celle des vides, parce que c'est la variation de volume des vides qui intervient. Donc, la variation de volume des vides, c'est bien celle du volume qu'on vient d'obtenir. Il y a dn sur dt, hein, voire le transparent précédent à la fin. Maintenant, nous appliquons l'équation de la charge hydraulique et la loi de Darcy. Donc, le bilan de d'écoulement, il va être au fait écrit de cette manière-ci. Ça, on l'a écrit tout à l'heure. Lorsque vous allez faire des Z sur des Z, vous allez avoir bien sûr D de H2 sur DZ2 qui va être D de U sur gamma de B. Vous allez obtenir cette équation. Ces deux équations-là, DV sur DT, d'une part écrit sous cette forme-là et écrit sous cette forme-là, l'égalité va vous donner cette équation. Et déjà, vous voyez une équation où la surpression U, c'est la deuxième dérivée par rapport à Z, fois un facteur. Coefficient qu'on va voir est égal à du sur dt. Ça, c'est la première forme de l'équation de consolidation. Bon, on va maintenant aller à l'indice des vides, puisque c'est lui qui varie. Donc, l'indice des vides, c'est bien à l'instant t, c'est dv sur ds. Via la relation pour n et t, vous pouvez écrire cela. Vous pouvez écrire dn sur dt en remplaçant, bien sûr, par dn sur t. Donc, il faut revenir, bien sûr, à cette équation-là. D'accord ? Donc, dn sur dt, vous allez appliquer par rapport à E, ici. Et par la suite, vous exploitez l'hypothèse de Terzaghi, la linéarité entre E et sigma prime. Vous allez écrire dE sur dt moins AB des sigma prime sur dt, c'est-à-dire AB dU sur dt. Alors maintenant, vous revenez un peu à l'équation du module pneumatique, et vous voyez qu'on peut déjà introduire une relation entre AV et E0. E0, c'est le module pneumatique, l'inverse. Est égal à AV sur 1 plus E0. Dans certains livres anglo-saxons notamment, ceci s'appelle le module de compressibilité. Donc, finalement, lorsque nous allons revenir à l'équation de consolidation, donc ici, il va vous permettre de trouver une relation entre ce paramètre qu'on a trouvé tout à l'heure, KE0 sur KEV, et le paramètre K fois 1 plus E0 AV gamma W. C'est-à-dire, finalement, que ce paramètre-là s'appelle CV, le coefficient de consolidation. Donc ici, vous voyez qu'on a remplacé E0 en fonction de AV E0, tout simplement. D'accord ? C'est-à-dire, lorsque vous remplacez cette équation
Ici, vous allez trouver ça. Mais tout ce paramètre-là s'appelle CV. Il faut faire attention, CV, c'est le coefficient de consolidation. Vos paramètres, il est mesuré à partir des courbes que je vous ai montrées, les courbes passement-temps. Donc, ça veut dire, d'une manière finale, on peut dire que l'équation de consolidation s'écrit CV D de U sur D2 égale D U sur DT. Donc, ça veut dire que la suppression, en fait, varie. Bien sûr, au cours du temps, elle varie en fonction de l'épaisseur ou de la cote, bien sûr, dans la couche compressible. Pour résoudre l'équation de consolidation, il faut écrire les conditions aux limites. Alors maintenant, je vais tout simplement dire que le système qu'on considère, vous voyez, il y a un niveau perméable et un niveau imperméable. Et le mètre dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'est-ce qu'il comportait en fait? Une échelle plus petite. Il comportait la couche compressible, un niveau perméable en haut et en bas. Mais ce modèle qui est devant vous, c'est bien la moitié de l'échantillon dans le 2 mètres. Pourquoi? Parce que nous avons une certaine symétrie. C'est-à-dire que le 2 mètres en haut, c'est un niveau perméable, mais à mi-épaisseur de l'échantillon, puisque le problème est symétrique, on peut dire, c'est plutôt le demi-échantillon de 2 mètres. C'est-à-dire, on va dire, si vous allez faire une symétrie par rapport à l'axe horizontal ici, deux fois ça, ça va être le modèle de 2 mètres. Donc, ça veut dire qu'il est plus facile de considérer la mi-épaisseur de 2 mètres, et on va dire qu'au milieu de 2 mètres, de l'échantillon de 2 mètres, c'est un niveau imperméable. Ça veut dire que l'eau, finalement, si elle est là, elle va s'évacuer, elle va plutôt aller comme ça. Mais dans l'autre moitié, elle va aller comme ça. Donc, ça veut dire que dans ce système-là, nous avons toujours, avec le niveau perméable, U égale 0. Pour Z égale 0, U égale 0. Bien sûr, c'est un niveau perméable. Nous sommes dans un échantillon de sol, ça veut dire, on ne parle pas de zéro. Donc, quel que soit T, pour Z égale H ici, nous allons avoir cette condition-là. Mais cette condition veut dire que DZ égale zéro. Si vous écrivez DZ, moins K, DH sur DZ, etc., vous allez trouver cette équation-là, avec Z dirigé vers le bas. Il faut faire attention, bien sûr. Et donc, à l'application, l'application instantanée de la charge va vous donner une suppression. Bien sûr, cette surpression, elle va dépendre de Z. À l'instant, T égale 0. Et bien sûr, elle va dépendre de Z. Voilà un peu comment on a le profil de la pression, en fait, la surpression interstitielle, par rapport à une position initiale, la position initiale dans le 2 mètres, d'accord, bien qu'elle soit très petite, vous allez avoir la surpression. Donc, voilà la surpression en fonction de Z. Donc, voilà les conditions limites pour cette équation-là. Donc, maintenant, il faut revenir à l'équation dU sur dT, CV dU sur dZ2, avec CV, le coefficient de consolidation, et on va plutôt écrire ceci en termes de delta U, parce que le U, c'est delta U, comme je l'ai dit au départ. Le U0, gamma W, Z, on peut donc ne pas le considérer. Donc, on va écrire la même chose, et on va maintenant dire qu'est-ce qu'on peut faire. On peut en fait simplifier l'équation en introduisant un paramètre qui s'appelle TV en fonction de CV, CV fois T sur H2, et la coordonnée réduite Z sur H, c'est-à-dire sans dimension. Donc ça veut dire qu'au lieu de considérer petit Z et T, nous allons considérer grand Z et TV. Alors, vous revenez aux équations, donc vous faites la dérivée par rapport à T, c'est-à-dire en considérant cette équation, elle va avoir lieu par rapport à TV. Donc, c'est très facile de vérifier que cette équation initiale va devenir par rapport à grand Z et TV sous cette forme-là. C'est-à-dire, finalement, c'est une équation relativement un peu plus simple parce qu'il n'y a plus de coefficient de proportionnalité. Alors, ça veut dire, vous allez, au fait, pour les conditions aux limites, vous allez les transformer aussi pour donc, Z égale H, ou grand Z égale 1, Z sur H, comme vous voyez ici, etc., pour TV. Donc, tout ceci pour expliquer un peu la solution de cette équation. Bon, la solution particulière de l'équation, elle est simple. À l'instant T égale 0, sigma, la contrainte transmise, elle est entièrement vers U. U, c'est quoi? C'est la surpression. Vous voyez, T égale 0, sigma égale à U, toute la contrainte vers l'eau. Mais faites attention, la condition limite en Z égale H, U égale à 0. C'est-à-dire, juste après, on va dire, la suppression va diminuer, on va voir un peu l'allure de la suppression en fonction de Z et de T. C'est-à-dire, plus T augmente,
cette droite qui est là, elle va en quelque sorte devenir une courbe et qui part d'un certain niveau ici, elle arrive jusque-là. Donc, ça veut dire, par rapport à cette R, regardez bien, H fois sigma, à l'instant T égale 0, H fois sigma, c'est le rectangle et tout assuré. Ça veut dire qu'il n'y a pas de consolidation d'une manière simple. Alors, un détail ici, la condition aux limites, comme je vous l'ai dit, par VZ égale 0, vous vérifiez que la courbe qui donne delta U exactement, elle doit être perpendiculaire avec l'axe et sigma. Alors, en termes de coordonnées réduites et en termes de TV, cette équation-là admet une solution, peut-être des choses que vous avez vues en mathématiques, c'est une solution en série de Fourier. C'est-à-dire que U, fonction de Z et TV, elle va être décrite par cette on va dire, formule, où vous voyez sigma, la contrainte appliquée, maintenue constante, où vous voyez Z, vous voyez H, et vous voyez surtout TV ici. Donc, ça veut dire que c'est une solution analytique qui correspond à la solution de cette équation, qui correspond à celle de l'équation de consolidation. Alors maintenant, nous allons retrouver le U, le degré de consolidation, d'une manière simple. Si vous revenez à la définition de epsilon Z comme étant le rapport de sigma prime sur 0, parce qu'au fait, c'est ça d'après le module de volumétrie, le tassement, c'est l'intégrale de epsilon, c'est-à-dire ça. Bien sûr, il va avoir un signe 1 parce que le tassement, on va le considérer, on va dire, positif. D'accord? S de t, vous pouvez l'écrire sigma moins u. Sigma prime, c'est sigma moins u. Vous allez avoir ça. Sigma t, c'est une constante. Donc, ce terme-là, il est constant. Il va être égal à sigma h fois sur 0. Ce terme, il va dépendre de u. Connexion de monsieur et rien d'ailleurs. Hey, déjà, Khraj. Hey, qui j'ai un colo là, au Mogadik, Sharf, Min. Min, Mogadik. Min, Mogadik, Min, Hne. Il me s'agit là, sans faute. ما حليها تصويرتك أشرف مرسي كوب جديد عليك نيو يلدي عن ديريكتر إيش بيها تصويرتي خايبة عزلني عسل يا أشرف عسل دول عشك